Dream. Nous arrivons maintenant au temps de la déclaration des députés. Le député de Markham Unionville. Madame la Présidente, si vous recherchez, vous pouvez voir que le député peut porter des rubans violets pour reconnaître le 10 mai. Mes excuses, le député de Markham Unionville recherche le consentement unanime pour permettre aux députés de porter un ruban pour représenter la journée du lupus le 10 mai. Ceci est d'accord. Déclaration des députés, le député de Newmarket Aurora. Merci, Madame la Présidente. Pendant les affaires publiques ce soir, je vais avancer la motion concernant l'intelligence artificielle et son utilisation au sein du gouvernement. Madame la Présidente, nous sommes un gouvernement qui travaille à améliorer l'Ontario, que ce soit plus productif et qu'il y ait une transformation au niveau du service aux clients pour les Ontariens. À ce jour, il n'y a pas de loi qui gouverne l'utilisation sécuritaire de l'intelligence artificielle, que ce soit au niveau des zones de compétences provinciales ou fédérales, même au niveau du gouvernement. En tant que gouvernement, il nous faut nous assurer que l'avenir digital soit bon. Il nous faut trouver nos propres données et fonder notre modèle de fonctionnement. De ce fait, nous pourrons capturer le pouvoir de l'IA au sein du gouvernement tout en établissant des garde-fous pour protéger nos données. Je remercie le ministre des Services publics et des prestations et du commerce pour les consultations et le groupe de travail pour l'IA et aussi la publication du cadre sécuritaire de l'IA. Le but de cette motion est de faire avancer le gouvernement afin qu'il prenne des pas critiques pour faire face aux risques potentiels, évaluer l'adoption possible et réussie de l'IA tout en élaborant des mesures pour faire face aux menaces de cybersécurité. Je suis impatiente de tenir ce débat public ce soir. La députée de Sainte-Catherine. Merci, Madame la Présidente. Je parle pour parler du festival de Niagara Falls. C'est la 56e année. Ma communauté est tellement ravie du festival du chariot folklorique. Cela me rappelle, la semaine dernière, nous avons parlé avec une famille qui ont partagé leur parcours en tant que réfugiés. Cela m'a rappelé pas mal de souvenirs. Ils sont vraiment très canadiens. Ma grand-mère, c'était une quilter, et chaque année, elle commençait un nouveau patchwork. Et peu importe la taille de cette courte pointe, alors que nous étions ensemble, cela nous rassemblait. J'adore ces courtes pointes. Elles me rappellent ce festival du chariot folklorique et cela nous rappelle aussi toutes les différentes cultures à Niagara, peu importe les débats ou les divisions au sein de l'Assemblée. Nous devrions penser à représenter ces esprits d'inclusion qui sont vraiment forts dans notre collectivité. Nous devons nous assurer de l'inclusion, de la diversité et de faire de l'espace pour tous. J'encourage les députés de venir à Niagara et de fêter les différentes communautés pleines de vie qui sont ici. Je vous enjoins à venir rendre visite à certaines de ces maisons ouvertes. Ce sera pour 15 jours. Venez et voyagez dans le monde avec ce festival des chariots folkloriques. Member statements, the member. Déclaration des députés, le député de Mississauga Lakeshore. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui est le troisième anniversaire de la journée de la fallacie, le 8 mai 1994. J'étais ravi de commanditer ce projet de loi afin que le 8 mai soit la journée du souvenir du scalisema avec Marie Alfano, qui a des jumeaux qui vivent avec cette maladie dans ma communauté. C'est une journée pour en faire prendre conscience concernant ce problème sanguin. Et les gènes de cette maladie représentent 2% de la
de la population, et tout comme la tépranocytose et autres, ou l'hémophilie, ils ne peuvent fournir assez d'hémoglobine pour nourrir leurs poumons et le cerveau. C'est une anémie qui touche les personnes d'Afrique, d'Italie, de Grèce et ailleurs, et surtout en Sicile, en Calabre, par exemple. Les patients de Falesinia font face aux stigmatisations et à la discrimination. Je voudrais remercier la Fondation canadienne pour tout ce qu'ils font pour défendre les patients et pour les soutenir et s'assurer qu'il y ait de nouveaux traitements. Je demande à tous les députés de me rejoindre afin de sensibiliser ces malades et nous assurer que ces patients puissent vivre des vies longues et en santé. Merci beaucoup. Déclaration du député, le député de Toronto-Danforth. Pauline Rose Church est décédée cette année. Elle appartenait à notre communauté Danforth. Son histoire représente la justice. Pauline était une aînée de Saddle Lake en Alberta. Elle était un membre de la Free Fire Society et d'une autre société. Les caravanes des Premières Nations se sont déplacées pour manifester contre le traitement des Autochtones. En 2023, elle a été nominée de l'Ordre de l'Ontario. Elle a servi au Conseil et au Centre d'éducation à partir de 2008. Dans notre communauté, elle était bien connue pour être la fondatrice de Papamakachu, une école. Mes excuses pour la prononciation terrible. En 1996, après n'avoir pas pu trouver d'école qui soit culturellement appropriée pour ses enfants, elle a fondé cette école. Elle a donc été reconnue plus tard comme étant une école pour les Autochtones. Il y a eu ensuite une cérémonie pour revenir à ses origines, l'origine de l'école des esprits errants. Je voudrais faire part de mes condoléances à sa famille et la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour développer notre communauté. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Le membre de NIPI. Je parle de Honorary Dan McKay. Dan, un réserviste qui a servi en uniforme pendant des années et ensuite il était à Ottawa deux fois. Il était à la Défense nationale, au département, et il a travaillé avec notre lieutenant-gouverneur pendant 30 ans. Il appartient aussi à l'Ordre des ambulanciers de Saint-John et c'est l'homme le plus humble que j'ai jamais rencontré. Il est vraiment dévoué, engagé pour tout ce qui se fait à Ottawa. Mais ceci vous surprendra peut-être. Il est vraiment un féministe et c'était plutôt improbable. Il a vraiment défendu les amis de sa femme dans leurs propres droits. Le colonel honoraire du garde sur pied. Il est aussi un colonel honoraire d'un autre groupe. Et il nous rappelle à tous combien notre histoire est informance en reconnaissant Morgan Freeman qui a amené la Coquelicot à l'Ottawa et qui maintenant s'assoit aux messes des officiers à Ottawa. Dan était le champion et vraiment, il nous a rappelé que les femmes sont vraiment importantes au Canada. Et alors qu'il a travaillé dans l'armée et dans la ville d'Ottawa, il était toujours en silence derrière chaque femme qu'il a soutenue. Merci beaucoup. Déclaration du député. La députée d'Hamilton, récemment un article est sorti avec des données concernant la moralité des itinérants. Ces histoires sont vraiment terrifiantes.
du vécu de la part de ceux qui vivent de façon difficile dans nos villes. Il y a eu tant de décès en 2 ans et demi. La moitié de ces décès sont dus à des overdoses, à des surdoses plutôt. Et ces chiffres nous ébranlent. L'histoire continue. 90% des personnes de l'itinérance qui sont décédées sont des hommes et 50% de ces décès sont dus à une vie dans la rue pendant plus d'un an. L'itinérance tue les personnes ici. L'âge moyen de décès des personnes à Hamilton est de 46 ans. On peut dire que c'est l'âge mature. Ces histoires nous disent la vérité. Ces histoires peuvent avoir des finalités autres. Il peut y avoir une intersection d'amour, d'espoir et de soutien. Des histoires que nos collectivités seraient fières de partager et qu'il y ait de bonnes répercussions sur la vie des personnes, qu'ils puissent vivre plus longtemps et continuer à vivre. Nombre de partenaires et d'organisations font justement ceci. Ils travaillent sans relâche afin de fournir un toit, une stabilité et des soins médicaux aux personnes. Ensemble, nous devons aller rencontrer les personnes où ils en sont. Tout le monde mérite d'avoir un endroit où rentrer. Merci. Une déclaration du député, le député de Eglinton-Lawrence. Dans l'Ontario et partout, nous avons parlé de Yom Hoshawa, la commémoration des 6 millions de Juifs qui ont été tués par les nazis et les collaborateurs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce jour est aussi la commémoration des personnes qui se sont battues contre les nazis et contre l'Holocauste. Cette journée nous rappelle les leçons du passé, nous prévient pour l'avenir. Cela nous rappelle l'indifférence et aussi quand on permet à la haine de fleurir sans mesure. Cela revient au culte de meurtre des Moyen-Âge, par exemple Hamas. Ont tué des milliers de Juifs et de ce fait, nous faisons face à une augmentée de l'antisémitisme ici, même partout, et aussi au Canada. Le niveau acceptable est zéro. Les incidents antisémitiques ont de nombreuses formes, que ce soit l'intimidation, le vandalisme et autres, mais ce sont des manifestations et des attaques. La raison est que tous les Ontariens doivent vivre de façon équitable et être respectés. Ce meurtre massif entre 1941 et 1945 de l'Holocauste était une chose, mais il est important de comprendre que tout ceci avait commencé en 1932, 10 ans avant. L'antisémitisme ne doit jamais commencer. En tant qu'êtres humains, nous avons une tâche envers les autres. Nous devons nous traiter avec dignité et respect parce que nous sommes des humains. Nous ne pouvons oublier ces tragédies de l'Holocauste et les leçons apprises. Il est important de toujours s'élever contre toute forme de haine ainsi que l'antisémitisme. Jamais plus. Merci. Déclaration des députés. Le député de Don Valley North. Merci, Monsieur le Président. La semaine dernière, j'ai entendu nombre de parents et d'enseignants qui ont parlé dans ma circonscription. Ils voudraient réduire et restreindre l'utilisation des téléphones mobiles, ainsi que les produits de tabac, de nicotine, de la cannabis, que rien ne soit amené à l'école. Monsieur le Président, l'utilisation excessive des téléphones cellulaires réduit la productivité des étudiants. Un segment de notre population peut être susceptible à la dépendance à ces téléphones. Et cela ne permet pas la rétention de l'information nécessaire à la réussite académique. Au Canada, nous savons que ceci est illégal pour les personnes de moins de 10 ans. Il est important de lancer une campagne avec des caméras de sécurité. Le gouvernement prend des mesures afin de protéger les personnes dans notre province, afin que les étudiants
et les meilleures chances de réussite. Thank you very much. Member statements. Déclaration des députés. Le député de Mississauga. La région fournit des directions. Les données nous montrent que 2,5 millions de Canadiens ont des problèmes avec leur vision. En Ontario, 65% seulement des enfants peuvent être examinés avant l'âge de 7 ans et seulement 2% obtiennent les bonnes recommandations concernant les évaluations optiques. Ceci inclut mes résidents. Ceci peut créer des problèmes et au niveau académique. Et bien sûr, cela touche à la qualité de vie. Grâce aux sénateurs et grâce à ces efforts, nous avons sensibilisé pour nous assurer qu'il n'y ait plus de défaillance au niveau de vision. Je voudrais remercier concernant l'éducation et la prise de conscience de ce problème au Canada. Nous sommes ici au Canada. Vous pouvez nous rejoindre dans la salle 228 à partir de 12h50 pour parler aux Ontariens. Monsieur le Président, ensemble, faisons de notre mieux pour que l'Ontario soit prospère. Ceci n'est pas une question partisane. Toutes les personnes de l'Ontario sont touchées. Il est important que tout le monde reçoive bien les services et le soutien dont ils ont besoin afin de s'épanouir. Merci beaucoup. Déclaration député, député de Brantford-Brant. Merci. Mes collègues, comme beaucoup d'entre vous savez, ma circonscription de Brantford, il y a un mouvement des cadets très vibrant. Aujourd'hui, on a les cadettes les plus importants qui ont été choisis par leur commandant pour leur dévouement, leur excellence, leur volonté de rendre notre collectivité la meilleure qu'elle puisse être. Les cadets de Brantford-Brant se sont prouvés, mais ont aussi amélioré les communautés dans lesquelles on sert ensemble. Le fils de mon adjoint a rejoint les cadets et est devenu un jeune homme qui est très, très bien. Désolé de te gêner, Daniel. On a beaucoup de cadets ici qui sont Richard Carbon, John Sidden, et lieutenant cadet. Désolé. Ocampo and Chief Petty Officer, Second Class, Julie. On a Julia Cox et il y a le lieutenant Roth. Pour les 25e, le chef Jorgensen et il y a d'autres gens qui sont là. Pour les cadets de la Royale, le caporal Travers et sergent Chain Shaman avec un autre officier. Les cadets, les officiers, la population ontarienne vous remercie de votre travail et contribution à Brantford-Brant. Merci beaucoup.